Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Destiny sur PS4 et on continue le scénario sur la lune. J'ai pas encore essayé les patrouilles, on verra peut-être plutôt ça en fin de vidéo. On va se concentrer sur l'histoire peut-être d'abord. Alors attendez, bon ça c'est pas pour moi, c'est niveau 12. La fosse, les fosses de l'invocation. Ok, on verra ça plus tard. Là, c'est du niveau 8 et là, c'est niveau 8. Bon, et ben c'est parti pour la caverne de la nuit. Niveau 8. Je suis un peu plus costaud, mais si je passe en mode difficile... Non, niveau 12, laisse tomber. Allez, c'est parti. Un message urgent arrive sur tous les canaux. Ça vient du guide. Nous devons agir maintenant. Nous pensons que la ruche a entamé un rituel dans le but d'éteindre la lumière du voyageur. Cette puissance à laquelle elle fait appel, nous devons la comprendre et la détruire. Ils ont des milliers de chambres. Le rituel peut se dérouler n'importe où. Si on trouve des fissures assez profondes, je pourrais cartographier la forteresse. Ok, alors l'objectif est par là-bas. Je vois qu'il y a du peuple par ici. Acolyte, niveau 6. 1700, rien que ça. Ouais, on va peut-être pas gaspiller nos munitions de sniper. On en a pas des masses. Fissures explorées, ouais. Bon allez, on les ignore, on avance. Est-ce que c'est loin? Ou est-ce que c'est juste ça? Non, c'est ça, ok. On peut pas y aller, nous. Non, c'est peut-être pas conseillé. Le scan était bon, mais insuffisant pour localiser le rituel. Continuons à chercher. Ok, allez. On prend le vaisseau. On y va. Il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis sur la route, non? On capte rien sur le radar. Ah, si, si, si. Ouh, si, 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 si. Niveau 7, voilà. En théorie, ça devrait aller. Hein. Ah, apprendre à viser. Viens ici, putain. Viens là, toi aussi. Hop. La fissure, elle est où? Elle est là? Oui, je vois la lumière blanche. On y est. Et je vois aussi des gens, non? C'était un ennemi. Ouais, j'ai pas vu de joueur, là, bizarrement. D'habitude, il y a toujours un joueur, au moins, quand j'arrive sur une map. Ah, c'est pas ça, la fissure? D'accord, pardon. Je pensais que c'était ça, parce que ça avait la même tronche que ce qu'on a analysé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des ennemis, là? De toute façon, on peut pas passer avec le vaisseau. Allez. Ah, quoique, si, on aurait peut-être pu passer. Je ne sais pas. En tout cas, nous ne sommes pas seuls. D'accord, j'ai touché personne avec ma grenade. Super. Hey, d'où je l'ai pas touché une seule fois, l'autre? Bon, faut qu'on se mette à couvert. Putain, il y a des rochers partout là. C'est pénible ça. On peut pas se déplacer comme on veut. On va essayer de les prendre à revers. Je sais pas s'ils ont l'intelligence de regarder ailleurs. Éliminer. Non, événement imminent optionnel. Éliminer la cible. Ouais, mais tout seul, s'il te plaît quoi. Ça risque d'être assez tendu. Venez ici. Ah, il y a un gars de niveau 29. Ça doit les attirer, ça, les événements optionnels. Il est où, l'événement optionnel? Il est là. Qu'est-ce que c'est? Un serviteur? Un haut serviteur? Aïe, on m'attaque derrière. Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai vu, toi, là. Aïe, on m'attaque de tous les côtés, là. Calmez-vous. T'es où, monsieur l'invisible, là? Ok, le team canard. Ok, ok. Oh, mais... Je me suis pris des dégâts. De qui, là? On m'attaque. Je sais même pas qui. Dès que je me retourne. Ok. On saute en plein vers l'ennemi. Viens ici, toi. Hop. Ah, un coup de couteau, ça suffit pas. Bon, un deuxième.
Ok, on va peut-être éliminer les mobs qu'il y a autour. Il n'y a plus personne là? Non, ça a l'air d'aller. Ok. Là, je pensais qu'il allait le cartonner, mais pas tant que ça. Pourtant, il est niveau 29. Point de passage atteint, 2 sur 4. Ah, faut l'éliminer rapidement, faut pas qu'il passe tous les points de passage, c'est ça? D'accord, là, il se téléporte. Aïe. Bon, on va passer au sniper, on fera plus de dégâts. Montre-moi ton œil. Oh là là. T'as un qui me tire dessus. La saloperie là. Il tire dessus là-bas. Où est-ce qu'il va ce machin? Putain, mais crève! C'est bon, il l'a eu. Beau travail. Parfait. Merci. Thank you. Je sais plus comment on danse. Non, on désigne. Voilà, danse, mais trop tard, il s'est barré. Bon. Ok. Retour à la mission, du coup. On va peut-être éliminer les cases bonbons, là. Qui nous ont fait caguer sur le côté. Putain, niveau 8, on voit tout de suite la différence. Hein. Avec ceux qui sont niveau 6. Ils sont beaucoup plus costauds. Voilà. Ça les empêche pas d'être débiles et de pas bouger quand il y a une grenade qui arrive. Ouh! Headshot. Viens ici. Je vais t'avoir encore à corps, toi. Parfait. Et alors, qu'est-ce qui protège? Il y a une espèce de petit camp, là. Il doit bien y avoir un coffre. Non, un gisement d'hélium. C'est déjà ça. Enfin, gisement. Des réservoirs. Tac. Et normalement, comme j'ai eu le palier d'or, là, je dois avoir un contrat de rempli, je pense. Ou alors, je l'avais pas accepté, je sais plus. Je sais qu'il y avait un contrat comme ça, remporter un événement avec l'or. Donc j'espère que je l'avais validé. Putain, mais y a rien dans ces grottes là. C'est super utile, dis donc. Allez hop. Pas assez de place, ok. De toute façon, on n'est pas bien loin. Tac, les ennemis sont revenus. L'autre il s'est barré, il m'aide même pas. Salut. Ok. Mais je suis déçu, d'habitude on est au moins 3-4 sur la map là. Hop. On peut pas monter là-dessus. Oh, comme c'est joli, ces effets de lumière. Je trouve ça classe. Alors je sais pas si ça porte un nom là. J'y connais pas grand chose. Ok, bon allez, on arrête de regarder le décor. On y va, fissure, ça doit être celle-là, oui. Vas-y. Utilise ton spectre. T'as rien à dire? Une seconde. Je l'ai. Quoi? Qu'est-ce que t'as? Nous allons devoir continuer à nous enfoncer dans le temple. Granny X35, c'est un nouveau coéquipier. Ah non, bah on est nombreux en fait. On est 4 au moins, voilà, c'est ça. D'accord. Je dois aller où exactement? Bon, on va reprendre le vaisseau. Je sais pas si je peux le prendre ici, de ce côté. Je suis pas sûr de pouvoir ressortir en fait. Non, monte. Monte-moi ça. Voilà. Parfait. Allez, direction l'objectif. Oh, on les ignore, on les a déjà tués eux. Enfin, je sais plus, en tout cas on est passé par là, il me semble. Attendez, c'est par où? Je vois pas l'objectif sur l'écran. C'est par là, hein, si. C'est juste qu'ils affichent pas l'objectif sur l'écran, ouais. Attends, mais je tourne en rond là, non? C'est quoi cette histoire? D'accord. C'est un peu mal foutu là, le système de checkpoint. C'est plus facile de se repérer quand on les voit sur l'écran. L'encre de lumière. Et il y a des gens. Ouh, de l'hélium. Je sais toujours pas si ça va me servir. Mais on le prend. Allez!
Dépêche-toi avant de te faire tuer. Je te vois là, je crois que t'es caché. D'accord, ils se saluent entre eux. Aïe, 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 non. Ça venait d'où, je ne sais pas. Allez, Vandal à la noix, là. Oh, mais d'où j'arrive pas à le tuer, tiens, salut. Oh, un capitaine. Super, j'adore les capitaines. Et apparemment, il y a un serviteur juste au-dessus, je vois des ondes violettes. Tiens, 600, mange. Il y a quelque chose qui me fait des petits dégâts, là, c'est quoi? Qui me fait des petits dégâts? On est déjà venu ici, oui, on est déjà venu. Pas de ce côté, mais... Oh, arrêtez de vous planquer. Tiens. Même chose pour toi. Ouais, je crois qu'on a un serviteur juste au-dessus, je me rappelle de cet endroit. Hop. Ils sont pas bien dangereux là tout de suite les ennemis. Le corps à corps. Putain, mais on subit rien en dégâts, c'est bizarre. Je me balade tranquille. Tiens, je vais recharger mon lance-roquette. Toi, salut. Grenade ? D'où ça vient ça ? Et merde, je me suis trompé de touche. J'ai lancé mon couteau, on sait pas pourquoi. Du coup, oui, non, mais c'est pas ça la cible. Je me suis arrêté, mais faut juste passer quoi, en gros. Ok, salut. On va ressortir le vaisseau peut-être. Non, on ne va pas le ressortir. Parce qu'il faut escalader un petit peu. C'est peut-être le guide. Rien à faire. Trop d'interférences. Mais on est déjà passé ici. Putain, ils nous refont visiter exactement les mêmes choses, quoi. Je pense que la lune est assez grande, hein. Pour créer des zones différentes. Tiens, là-bas, on dirait qu'il y a une grotte. Je veux des coffres. J'ai pas trouvé de coffre depuis un sacré moment. Que va ? Ah d'accord. Vous m'intriguez. Un peu. Votre avenir semble plutôt prometteur. Qui est-ce ? Je ne sais pas. Le signal faiblit. Gardienne. Je sais ce à quoi vous pensez. C'est courageux. Mais vous n'avez aucune idée des ennemis qui se cachent là-bas. Où ça? Descendez, affrontez la ruche. Et si vous survivez, venez me trouver. J'ai perdu le signal. J'ai pu noter quelques coordonnées. Vénus, l'hémisphère nord, la région d'Ishtar. Génial. Que fait-on alors? On descend. Ok, en théorie, ça va chauffer. Mais je voulais les voir dans la grotte, là. Putain, ils sont chiants. Mais j'ai vu qu'il y avait une espèce de nuage de fumée, je crois qu'on peut même pas y aller, en fait. Ouais, d'accord. C'est peut-être un endroit où les ennemis pop. Je ne sais pas. Attendez, j'ai vu un truc briller, non? Non, c'est juste de la lumière, ok. Et là, il n'y a rien à ramasser sur lui. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Un ogre. Non, mais ils sont sérieux. Aïe, aïe, aïe. D'où me tire dessus, l'ogre? Un ogre, c'est pas censé être plutôt corps à corps? Bon, je crois que je vais utiliser mon pistolet d'or. Il a pas l'air d'être seul. Merde, la grenade est partie à 3 km. Hop là, voilà. L'ogre, c'est fait. Maintenant, on s'occupe du reste. Ok. Bon, même au niveau 8, on les élimine assez rapidement. Quand on place des headshots. On fait le tour en haut avant de s'enfoncer. Oh, un chevalier. Super. J'ai plus de grenades, j'ai plus rien. Bon. Vous savez quoi? Allez hop, on va de manière bruine. Oh, oh, ça se chauffe là. Non, la grenade, je peux plus reculer.
C'est quoi ces verres? Aïe. C'est quoi ce truc vert là? Ah, d'accord. J'avais pas capté que ça faisait aussi vert quand on ramassait un truc crypté là. Enfin, aussi lumineux surtout. Bien, mange mes headshots. T'as arrêté de vous planquer, mais bon sang! Ça avancera pas si on se planque tous, hein. Voilà. Bon. Mission. J'ai mon sniper chargé à fond. Ok. On va peut-être l'utiliser un petit peu pour faire des dégâts. Ok, on descend. Je crois qu'on s'est arrêté là. Si, si, on était descendu. Hein. Oh, des esclaves. Ouais, ouais. Le sniper, c'est pas la meilleure arme contre eux. Tellement qu'ils sont nombreux. Lancer de couteau foiré, tout va bien. Voilà. Tant qu'ils sont que deux, ça va. Je sais plus. En tout cas, si on était venu ici, il n'y avait pas ça. Hein. Ou j'en ai pas souvenir. Acolyte. Ok. Bon, je me sens absolument pas en danger. Absolument pas en danger, pardon. Ouais, mais en difficile, j'aurais trop galéré, quoi. C'est un peu mal équilibré, leur truc. Allez. Ouh là là, ça y est, les esclaves qui se pointent. Tant qu'ils se pointent pas de tous les côtés aussi, c'est bon. Oh, une prêtresse. Ça faisait longtemps, tiens. Hop, super chargé, bon, on va le garder. Apprendre à viser. Merci bien. Putain, mais je me fais canarder de partout et je perds même pas plus d'un tiers de ma vie. C'est quoi cette histoire? Qui c'est qui me tire dessus là? Mission de lance-roquette. Aïe, on tire dans le dos. Bande de vilains. Allez, monte! Putain, d'accord. Il y avait bien quelqu'un là, j'ai pas rêvé. Bon, il a dû se barrer. Ah, j'ai sauté trop tard. Aïe. Ouais, il fout le debuff assez fort, hein, les chevaliers. Toi, là. Ah merde, je pensais qu'il allait continuer à monter. Mais non. Ok, il y en a encore un, je crois. Oui. Je te vois, là. Tiens. Allez, on continue. Des esclaves. Ok. Mais pourquoi ils envoient que par deux? C'est bizarre, ça. Ouh, un qui pète. Qu'est-ce que tu as? Passe à distance. Merci. Alors, je sais pas s'il fait du mal à ses ennemis. À ses alliés, je veux dire. Quand il pète. Ou si ça nous touche que nous. On va recharger le sniper. On va recharger le lance-roquette. Et on repasse au sniper. En théorie, ça va chauffer ici. Les mêmes que sur Terre. Si nous n'y mettons pas un terme, il y en aura d'autres. Ok, il n'y a rien là dans cette salle? Bon, on dirait que non. Ça m'étonne. Ah, ça arrive par là-bas. Ou un esclave qui pète. Quoi? Mais d'où vous sortez, vous? Wow, wow, wow. Ils sont sérieux? Non mais calmez-vous, les mecs, là-haut. Tiens, je les ai pas vus venir, eux. J'ai cru que j'allais y passer. D'accord, mes sauts m'ont plus ou moins sauvé. Ok, il y avait des missions, là. Oui. Hop, on ramasse. Et on continue. Mais ils sont sortis d'où? J'ai pas compris. Oui, en théorie, il vaut mieux éviter de tomber, je pense. Ok, on avance. Allez, y'a personne? Le tombe au monde. Mais on se retrouve dans la même arène, c'est quoi cette blague? On est déjà passé dans le tombe au monde, dans l'épisode précédent là. Sauf que là on est tout seul. Ouais, un petit tir sur les poteaux, tout va bien. Oh, encore une prêtresse, mais c'est pareil. On ne sait pas,
Tu vas pas nous saouler 15 ans, toi. Il faudrait encore que j'arrive à viser. Voilà, one shot. Y a plus personne à... Si. Mais merde. J'ai un peu gaspillé mon pistolet d'or. Mais c'est pas grave. Allez, venez ici. Je vais me faire exploser. Voilà, boum. Mes acolytes. Bye bye. Ensuite, il y a des bruits là. Qu'est-ce qui se passe? Y a quelqu'un? Il doit y avoir un ogre, non, vu le bruit qu'il y a. Aïe! Non, des chevaliers armés jusqu'aux dents. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Et moi, j'ai plus d'épée, hein. On peut pas faire des duels. Des duels à 3 contre 1. Donc, c'est plus des duels. Nya, je suis coincé dans le mur. Cassez-vous! Ils savent pas sauter, ça m'arrange. Non, je vais me faire péter, moi. C'est bon, j'en ai un. Parfait, voilà. Ok. Ouais, faut pas se laisser déborder. À 3 contre 1. S'il nous chope dans un coin, c'est mort. Bon, heureusement, on peut sauter. Je t'ai vu, toi. Espèce d'acolyte. Tiens. Et retiens. On va repasser au sniper, j'entends des trucs là. Et je vois quelque chose sur le radar, donc... Ah, c'est juste des acolytes, oh là là. Je m'attendais encore à un ogre ou à 3 chevaliers. Bon, ben on quitte le sniper. Surprise, bande de campeurs de merde. Oula. Il y a un chevalier, je crois. Et des esclaves. On se calme. Allez, venez là. Qu'est-ce qu'ils font à rester à 3 km là? Approchez-vous. Il y a que les esclaves qui nous foncent dedans, les autres ils campent. C'est relou ça. Regardez, ils campent mais à moitié à découvert. D'accord, et ça le touche pas. Je vais juste toucher sa tête, hein, mais à part ça, tout va bien. Il ressort. Mais d'où je le touche pas? Putain! C'est n'importe quoi les collisions dans ce jeu. Hein. Putain, il dépasse à moitié, on le touche en plein dans la tête, ça lui fait rien. Puis il y a le chevalier qui nous canarde là de l'autre côté. Tu vas arrêter de nous faire chier. Allez, protège-toi derrière ton mur. Voilà, 1700 dans la tronche. Je pense que tu les as sentis passer. Ok. Bon, je crois que je vais aller vers eux. Parce que là, ils m'énervent à camper. Hop, une petite grenade. Ah, merde. Je voulais pas que tu lances ton couteau. Bon, je vais un peu comme un bourrin. Je sais pas s'il y a un gros monstre avec eux. On dirait que non. N'importe quoi. Et pourtant je suis avec une classe qu'on est censé jouer à distance. Je suis pas avec les guerriers costauds corps à corps. J'ai oublié leur nom. C'est par là? Nous y sommes. Oui. L'antichambre la plus sinistre de la ruche. Et bah vas-y. Sorcière. Trois sorcières. Ils se sont crus dans Hercule. Enfin ça me fait penser aux trois sorcières mais ça doit pas être ça. Attendez, on va leur faire une petite surprise. Voilà, une de moins déjà. Aïe, t'es où hein? Je suis trop proche là pour utiliser mon sniper correctement. Elle est où la saleté là? Empoisonnement. C'est qu'est-ce qu'on a pas du tout de marqueur quand on est... Quand on vise pas. Mais saute, je peux pas sauter là, qu'est-ce que c'est quoi là? Au secours. Cassez-vous les poufias. Nya, je vais crever. Mets-toi couvert un moment. Tu récupères là. Putain, elle a récupéré. Bande de saleté. Là. Vous êtes où là? Non, elle est là, juste devant. Toi, alors, on va essayer de t'achever. Non, c'est pas toi que je fais, c'est l'autre. Voilà. Ça, c'est fait. Il en reste plus qu'une.
Attends, elle se téléporte. Merde, je l'ai pas eu. Arrête de bouger. Aïe aïe aïe, elle me fait mal. Bon, j'aurais pu utiliser mon pistolet d'or aussi, mais bon. Elle est où? Hello? Arrête de te planquer. Putain, mais non, elles sont impossibles à jouer au sniper, on est trop proche. Ah. Empoisonnement. Détruisez la ruche. C'est-à-dire... Faut tirer dessus, utiliser le spectre. Non, ça fait tout seul. Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Expliquez-moi. En plus, il y a des esclaves qui se pointent. Non, casse-toi. Attends, je l'ai pas tué? Merde, il est où? D'accord. Et l'autre là qui va péter. Oh là là. Bon, comment on détruit le truc? Faut le faire exploser? C'est quoi cette histoire là? À ce rythme là, moi je vais crever. Hein. Oh, un chevalier. Oh merde. Non, là je suis pas du tout. Non, 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 là. Wow, wow, wow. On va se retirer un instant. Allez, on se calme. Hop là. Immuniser. Pourquoi j'ai vu un immuniser là? Qu'est-ce qui se passe? Ah putain. J'ai pas ma grenade, super. Là je fais nimp. Je suis pas en mode prudent, pas du tout. Puis il y a du monde partout, je peux même pas sortir le sniper. Mais merde, mais utilise pas ton couteau. Voilà, fléau des morts. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Il y en avait un autre vers moi, je crois. Non? Si, il y en a un sur moi là, ben, je le vois pas. Ah, il se planque. Mais, allez, viens là. Toi, le chevalier, je vais t'avoir au sniper. Mais ce truc là, comment on le détruit là? Je sais même pas s'il faut tirer dessus, ça lui fait pas de dégâts, on dirait. Tiens, voilà, headshot. 1700. Il est où? Le chevalier là. Ça va, la bouge pas, t'as raison. Putain, la map est pas du tout adaptée au sniper. Bon, un. Viens là. Mais il se barre. Putain, je lance mon pistolet d'or, il s'en va. Toi là, t'es où? Viens ici. Ouais, c'est ça, barre-toi, t'as raison. Allez, tu vas pas me faire chier. Voilà, tac. Bon, comment je détruis ce truc, concrètement là? Ça fait rien. On est bien d'accord. Oh punaise. C'est là-dessus qu'il faut tirer. Non, je sais pas, j'ai pas compris le truc. Y'a des esclaves qui me pètent la gueule. Non. Putain, j'étais pas concentré sur le truc là, vous êtes dégueulasse. Je vais crever. Et merde. J'ai pas compris ce que je dois faire. Tuer les ennemis, ouais, c'est un échec du coup. L'antichambre la plus sinistre. Oui, non, mais qu'est-ce que je dois faire? Détruire le truc ou tuer les vagues d'ennemis? Bon, je vais me concentrer sur les vagues d'ennemis, tant pis, hein. Désolé si c'est pas ce qu'il faut faire, j'ai pas compris l'objectif. Parce qu'ils me disent de péter un truc, mais... ça lui fait aucun dégât, donc... Allez, on va essayer d'en avoir une à distance. Putain, elle s'est barrée, celle qu'on a affaiblie, bien sûr. Ah, oh, bon, on va rester là, on va utiliser le sniper. Aïe. Hop. Ok, on regagne la vie. Attends, elles sont où là? Arrêtez de vous planquer. Allez, il en reste qu'une. On va essayer de pas crever, si possible. Allez, où? Mais d'où? Je la touche pas en headshot. Viens ici. Hé hey. Pourquoi je la touche? Je l'ai pas touché là. Ça la touche pas, ils sont sérieux? Putain, je me répète, mais détruisez la ruche.
Ouais, en gros, faut tuer tous les ennemis, quoi. Ça a rien à voir avec l'espèce de bidon bizarre qu'on voit. D'accord. Enfin, j'en sais rien. J'ai rien compris à leur truc. Donc cette fois-ci, on se concentre sur les ennemis. Comme ça, on se fera pas prendre par surprise. Et on crèvera pas comme une grosse merde. Parce qu'ils me montrent ça, là, sur le... C'est ça que je comprends pas. Ils me montrent ce truc, là. Sur le radar. Mais qu'est-ce que je dois en faire, ce truc? Allez, boum. Comment les malins, là? Oh, il y en a derrière. Toi, là. Arrête de bouger. Oh, un chevalier. Merde, merde, merde. J'ai jeté mon couteau n'importe comment dans la panique. Faut qu'on récupère. Viens là, l'acolyte. Acolyte. Ils sont chiants à partir se planquer. Il est où là? Viens ici. Venez ici, je veux vous poignarder. Allez, enchaîne. Merci. Bon, super, on va le garder pour les prochaines vagues. Est-ce que ça me vise des trucs? Ouais, non, mais non. Laisse tomber. Attends, il regarde sa vie, lui. C'est nouveau, ça? Bon. C'est ça qui m'a induit en erreur. Là, le marqueur, il est bien là-dessus. Hein. Et si on va là-dedans, on meurt? Non. Bon. On va se contenter de détruire les vagues d'ennemis. Ah, mais il y en a partout! Mon dieu! Je me suis encore laissé surprendre au lieu de surveiller mes arrières, là. Cassez-vous, les esclaves. Oh putain. Ah, j'ai pas mon couteau. Merde. Pour une fois que je voulais mon couteau. J'ai vu, il y en a encore un, ouais. Hop, voilà. Donc j'étais pas allé plus loin tout à l'heure. Oulala. Putain, heureusement ils sont que niveau 8, hein. Moi je suis niveau 10. Hein. Donc le début est simple, mais ça se corse assez rapidement. Moi, quand on est tout seul, je suppose qu'à plusieurs c'est plus simple, sauf s'ils renforcent les vagues, bien sûr. Mais au moins on peut se réanimer. Hop. Bon. Et maintenant? Ça crie. Qu'est-ce qui se passe? Un ogre? C'est un ogre, ça? Je reconnais pas encore. Oui, non, c'est pire que ça. Ouh là là. Non mais je vais crever, au secours. Non, 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 on se calme là. Je vois des marqueurs partout sur le radar. Pas de panique. Ah. Au secours. Au secours. Non, dégage, t'approche pas de moi, je veux même pas savoir si nous fait des dégâts au corps à corps. Casse-toi. Heureusement ils ont mis ça au milieu, on peut tourner autour. Hello. Mon dieu. Bon, il a pas l'air d'avoir beaucoup de vie. Oh, toi, là. Allez, j'ai raté mon lancer de couteau. Il est où, là, le petit? On va faire en sorte qu'il arrête de nous faire chier, que ce soit du 1 contre 1. Viens là, la colite de merde. Arrête de te planquer. Voilà. Allez, 1 contre 1. Allez, l'artillerie lourde. Tiens. Ouh, il s'énerve. Non, 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 non. Mission lourde. Ouais, bah oui, là, je sais que j'en ai pas. Non, il s'approche. On dégage. Oh putain. Casse-toi. Ouais, parce que si je crache, je me retape encore toutes les vagues. Hein. Cours, on saute. On lance des grenades. On passe au sniper peut-être pour lui faire plus de dégâts. Tiens, voilà. Hop. Heureusement, il avait pas beaucoup de vie. Hein. Et il avait pas une force de frappe exceptionnelle. Ou alors faut vraiment qu'il nous chope dans un coin. Ouais, d'accord, donc ça servait à rien d'essayer de détruire ce machin. Mais oui, la ruche, c'est le nom de des ennemis là. Enfin, bon. Sur le coup, j'avais rien capté. Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi vérifier. C'est un fragment du voyageur. Ok.
fragment du voyageur. Attendez, il se passe quelque chose? Merde, je voulais voir si je n'avais pas laissé du loot. Engloutir sa lumière. Nous l'avons libéré. Et il est rentré. Et notre nouvel ami disait que les ennemis sont encore pires sur Vénus? Génial. Il n'y a rien là-haut. On peut pas y aller. On dirait qu'il y avait une corniche, mais non. Attends, il a rien looté le gros monstre? À part 25 lumens? Ils sont sérieux? Ou alors ce sera récompense de mission peut-être? Bon. En tout cas, j'ai ramassé plusieurs pièces d'équipement. Je vais aller vérifier tout ça. Il faut que j'aille à la tour aussi. J'ai récupéré des trucs cryptés. Tiens, la saleté là, qui m'a distrait. Bon. Ok, j'ai de quoi améliorer une arme apparemment. Récompense. Je veux un truc qui déchire sa race. Ça m'a l'air un peu naze. Ah non, c'est mieux que ce que j'ai, mais j'ai pas le bonus de force. Donc je pense pas qu'on s'en équipe. Et ça... Y a pas de dégâts de feu, il y a moins de portée. Pourquoi j'ai la manette qui vibre, je ne sais pas. Mais il recharge plus vite. Ça vaut peut-être le coup, je sais pas. Parce que les dégâts de feu, j'ai pas trop vu d'efficacité en fait. Par rapport à des munitions normales, ouais. Je sais pas trop à quoi ça sert. Bon, alors on va faire un petit tour sur la tour Vénus. Ok, niveau 10 à 12, bah, je suis quasiment niveau 11. Amélioration. Alors attendez. Je vais déjà aller décrypter les machins que j'ai là. Ça on démantèle. Ouais, avant d'améliorer mon grand clé. On verra. Ça on n'en prend pas. Hop. Ah, des bottes. Ouais, en bottes, j'ai pas grand-chose de terrible. Au niveau des armes... Ça, allez, on baigne. Ça, on n'en veut pas de fusil à fusion. J'hésite hein, pour l'arme, hein, sérieux. Parce que là, j'ai moyen de tirer sur n'importe quel type de munitions au sol, permet de les récupérer. Alors, peut-être que dans une situation bien précise, ça peut servir. Bon, allez, on garde mon sniper que j'ai tout de suite là. Ensuite, au niveau de l'arme, fusil automatique. Non, on n'en veut pas. Un revolver. Revolver, j'aime bien, mais c'est pas assez efficace, je trouve. On est vite débordé avec ça. Alors, qu'est-ce que je peux améliorer là? La vitesse de quoi? J'ai pas bien vu. Des fusils d'éclaireur. Est-ce que j'ai un fusil d'éclaireur là? Non. D'accord. Merci beaucoup. Bon, on va aller voir la tour. Tac. Ah tiens, j'ai un ami sur place. Je sais pas qui. J'ai pas vu qui j'ai en ligne. Par contre, j'ai pas du tout regardé ma progression par rapport au contrat. On va aller décrypter mon truc. Hop. L'arme et le gantelet. On va regarder ce que ça donne. Alors. Fusil à impulsion. Alors, capable d'effectuer des tirs en rafale précis. Ça veut dire quoi? Que ça tire par 3 rafales? Bon, on le testera. On verra plus tard. Le gantelet. Ah, il est bien. On l'équipe. Bon, du coup, j'ai moins de discipline et plus de force. Ok, ça, on démantèle. Là, je peux augmenter la vitesse de rechargement des fusils d'éclaireur. Ouais, c'est la même capacité. Ok. Ouais. Je peux pas avoir des bonnes bottes là? Ça m'énerve d'avoir des bottes toutes pourries. Ok, allons-y. Tac tac tac. Fusil automatique, non c'est pas. Oh, un revolver. Est-ce qu'il a l'air intéressant? 111. Oui, il a l'air intéressant, mais je peux pas l'acheter de toute façon.
Bon, on va plutôt compter sur le loot, hein. Alors. On va aller voir les contrats. J'ai rien validé ? Ah, j'ai pas dû accepter le contrat alors, il faut avoir l'or sur un des événements. C'est où qu'on regarde les contrats ? Inventaire ? Oui. Alors. Les 5 trucs en domination, ouais. Déchu supérieur. Des dégâts de précision. Gagner 3 matchs à l'épreuve, ça j'aurais pas dû le prendre. Ah, faut le faire 3 fois, d'accord, je croyais que c'était qu'une fois. Atteignez le palier d'or dans des événements publics. Bon. Ok. J'ai rien validé. Par contre, je vais peut-être enlever l'une des missions, là. 3 combats à l'épreuve ou je sais pas quoi. Parce qu'il n'y a pas des choses. Tuer 20 ennemis sans qu'aucun d'eux ne vous inflige de dégâts. 10 ennemis supérieurs. Hein. Terminer l'un des assauts sans mourir. Bon, alors, on reste comme ça. Ah, quoique lui, il a peut-être un contrat à me proposer. Quoi, puis-je vous aider ? C'est quoi ? Non, c'était des particules de lumière. Qu'est-ce qu'on en fait de tes particules ? Et puis j'ai gagné un niveau. Ok. Niveau 11. Améliorer. Alors, ramasser les munitions réduit le délai de récupération de votre grenade et de lancer le couteau. D'accord. Ah, j'ai envie d'essayer la classe épéiste. Oh, vivement le niveau 15. Parce que je crois que la super est beaucoup plus intéressante. On peut trucider tout le monde avec l'épée. Responsable de l'épreuve. Non, j'ai rien débloqué de nouveau. Ah ouh. Bon. Putain, j'entends des voix. Je comprends même pas ce qu'ils disent. C'est toi les chasseurs, ouais. J'ai ce que vous cherchez. Alors. T'as pas des trucs qui déchirent ? Notamment les bottes. Ah, bien sûr, je peux pas les prendre. Ouais, je vais pas les acheter en avance. Hein. Alors vous y retournez. Attendez, il y avait autre chose en dessous, j'ai pas bien vu. Ok. Ok, ok. Les titans, non merci. Avez-vous besoin de mon aide ? Je te voyais de moi-même. Ok, alors qu'est-ce que je fais maintenant du coup ? Je vais peut-être enchaîner un peu avec quelques missions, mais pas scénarisées. Juste des escouades. Ouais, on va faire comme ça. Allez, on retourne en orbite. Du coup, j'ai même pas croisé celui qui est dans ma liste d'amis. Ah, mais il y avait un marqueur. Mince. Bon, tant pis. On verra ça une prochaine fois. Il y avait écrit hangar, je crois. Bon, c'est pas grave. Amélioration. Ah, du coup, ça m'a augmenté mes gantelets. D'accord. Allez hop, ça coûte que 25, on le prend. Tac, choisir la destination. Mais au niveau de la lune, même au niveau du scénario, j'ai pas tout fait. Bah ouais, reste ça. Et moi, ce que je voulais aller voir, c'était ça, là. Explorer la lune. Et ça, c'est quoi ? Ah, c'est pas pour tout de suite. Non, on va attendre un petit peu. On va plutôt faire ça. Ouais. J'espère que je vais trouver des potes sur place. Allez, on est parti sur la lune. Oula, il y a un truc imminent. J'arrive. À partir de maintenant, nous pouvons aller où nous voulons. Plus rien ne nous retient. Ouais, on s'en fout plein ça, on trace. Je vais aller voir l'événement. Je comprends rien ce que tu dis, le spectre. J'en détecte déjà quelques-unes. J'ai pas eu le détail de la mission, moi. Allons-y. Restez près du Warsat. Ok, j'ai déjà eu cet événement. Je peux avoir mon marqueur, voilà, merci. Oulala, il y a un chevalier juste là. Merde, je tire une grenade, il y va. Bon, j'espère qu'il subit pas de dégâts, j'ai pas fait attention. Ok, y'a plus personne, si. Hop, on va sortir le sniper. Aïe, 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 je me fais cartonner.
Viens là le serviteur. Ok. Ah, dans le dos. Qu'est-ce que tu fais là, capitaine de merde? Ok, il l'a eu. Parfait. Oh, il est level 21 en même temps. Il y a quelqu'un apparemment là. Ah, d'accord. Hop, j'en ai eu un. Oh, 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 oh. Putain. Se calmer là. Ok. Allez, je vise comme un cul. À part ça, tout va bien. Voilà, ouais, mais on se fait cartonner aussi. Hop. Ah, mais ils les ont eu. D'accord. Je viens de sortir mon super pour rien, en fait. Bon travail. Ok. Super. Bon. Ah, mais il y a encore des gens. Oulala. Oulala, oulala, oulala. Oulala, oulala. Au secours. Je me fais défoncer. Coincé dans le décor, je sais pas par quoi. Hop. J'ai l'impression qu'il y a du lag, hein. Des fois je tire sur des ennemis et ils disparaissent d'un coup sans perdre de dégâts. Ça l'a fait avec le serviteur. Ok, bon. Hey, il y en a pas un qui danse, rien du tout. Bon bah je danse tout seul alors. Non, ah, je me trompe de touche tout le temps. Voilà. Ok, ils s'en battent la race. Bon. Allez, on va prendre une mission. Gardien, nos ennemis possèdent de très curieux objets. Nous vous aviserons de ce que vous devez chercher par transmission encryptée. Ok, alors attendez, je voulais essayer mon deuxième sniper, je crois. Non. Ah non, je l'ai pas gardé. Fusil impulsion. Ah non, c'est ça que je voulais essayer alors. Comment ça tire? Ça tire 3 rafales. Bon, on va le garder, on va essayer un petit peu. L'heure du jugement. Des étoffes de tempérament récupérées. Et ça se récupère où exactement? Putain, il y a du mouvement là. Au-dessus? On dirait que c'est au-dessus. Ouais. Ah, j'aime bien le cibleur. Enfin, le. Ouais. Je sais pas comment on appelle ça. Mais j'aime pas le système de 3 rafales systématiques. Je suis pas fan. Enfin, ouais. Tac. 8%. 15%. On récupère l'hélium, même si je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Et puis elle fait moins de dégâts, j'ai l'impression. Ou alors c'est que les ennemis sont plus costauds. Parce que je faisais du 105. Non, ils sont niveau 6. Tiens. Hop, je vais repasser avec l'autre arme, celle-là ne me plaît pas. Fusil à impulsion, on démantèle. Tac. Ok, bon, donnez-moi des ennemis là, que je puisse récupérer les étoffes. Vite, vite, vite. Là-dedans, il y a toujours quelqu'un là-dedans. Ouh, punaise. Ah, la grenade, elle a rebondi. Merde. Je pensais qu'elle allait passer derrière. Bon, je vais pas utiliser mon super quand même là-haut. Ouais, eh, y a du lag, hein. Le rébus s'est téléporté, hein. Allez, pourtant, je mets même pas de vidéo en ligne. Parce que des fois, ça lag quand j'ai des vidéos en upload, mais là, y a rien du tout. Tiens, allez, on va se mettre là-dedans, comme ça, on sera bien en danger. Hop là, allez, approchez-vous. Parce que là-dedans, on est coin. Mais il est où, là? Putain, il me tourne autour. J'ai vu un serviteur. Oh, mais... D'où vous sortez, vous? C'est un cul-de-sac, ici. Bon, on va s'occuper du serviteur, d'abord. D'accord, il se cache. Et puis, je continue à tirer comme un débile. Oh, toi, là, le rébus, là. Tu vas arrêter de me faire chier. Merci. Attendez. Arrête de bouger. S'il te plaît. Montre-toi. Putain, on est trop proche là. Et puis le décor, il est tellement sombre. J'arrive pas à me repérer. Voilà, headshot.
attaque. Je suis à 77. Ouh, un pote niveau 11. Je préfère me retrouver avec des gens de mon niveau. Je trouve ça plus sympa que des gars niveau 25 qui déchirent tout. Enfin, c'est surtout pour l'équilibre du jeu, quoi. Enfin, je sais pas. C'est un peu bizarre. Ils ne classent pas par niveau, quoi. C'est vraiment... étrange. Attendez, je vois rien du tout. Ah si, t'es là. Oh là là. Ouais, mais d'où vous sortez tous, là, d'un coup, là? Il y a deux secondes, il n'y avait personne. Là, il y a plein de mecs affaiblis. Bon, toi, là, je vais le tuer. Couteau. Raté. Hop. Ensuite. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut ou... Non. Une dernière. Là, voilà. Allez, on va se faire une mission de plus. Par contre, faut trouver un émetteur. Non, casse-toi, je suis occupé, toi. C'est quoi? C'est un vandale. Mais d'où vous repopez? J'ai déjà fait le ménage là-haut, là. Tiens. D'accord, le gars qui s'est pas visé. Bon, je veux une mission. Il n'y a pas plus près que 200 mètres, là? Attends, c'est quoi, 80 mètres? Le marqueur était différent, j'ai l'impression. Non, c'est la même chose. Je ne sais pas, on ignore les ennemis. Non, c'est bon, j'ai repéré où c'est, on récupère l'hélium. Tac, ensuite. Une petite mission. La nouvelle monarchie a absolument besoin de comprendre nos ennemis. Voyez les paramètres de mission encryptés. Ok. Ouais, c'est la même chose, quoi. Tuer des ennemis pour récupérer des machins. Ok. Mais je trouve ça dommage, les mecs, ils se barrent, quoi. Enfin, ou alors j'aurais dû les suivre. Mais je sais qu'il y avait des maps où je jouais avec des inconnus. Il y avait un peu plus d'interaction, quoi. On restait pas trop loin. C'est un peu dommage. Chacun de son côté. Après, ouais. J'aurais pu mettre avec le gars niveau 11, par exemple. Ça aurait été sympathique. Mais je l'ai même pas vu. Il s'est barré. Hop, de toute façon, on va avancer aussi, peut-être. On va pas rester dans la même zone. Tiens, on n'a pas visité ce dôme, là. On peut y aller? Ouais, y a rien. Y a rien du tout, y a pas d'ennemis, y a pas de coffre. Y a pas d'hélium. Ah, si, y a de l'hélium. Hop là. C'est dans la poche. Ah, on va essayer d'aller là-dedans. Normalement, il devrait y avoir plein d'ennemis, là. Un chevalier sanctifié qui va rien voir venir. Voilà, on a fait qu'un seul headshot, mais on l'a eu rapidement. Deuxième chevalier, il devrait faire moins long feu. Oula, et wow, 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 wow. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Pourquoi tu te caches? Attends, c'est moi qui me barre et l'autre il se cache derrière un mur. Et là, il vient de perdre de la vie d'un coup. Et puis une canarde. Tiens, petite grenade. Ok. Ça, c'est fait. On va aller récupérer le noyau. Youhou, on s'envole. Comment... y a moins de... Hein, d'apesanteur sur la lune, non? Moins de gravité, je sais pas comment on dit. Elle devrait rester plus longtemps en l'air, non? Bon, bref. Je sais pas si c'est justifié dans le scénario. Attends, on n'est pas venu ici? Si, si. Pour la mission de l'épée, je crois. Putain, mais je pensais que j'allais trouver plein de mobs, là. Y'a rien. Y'a le gars niveau 11, un peu plus loin. Je sais pas si on le rattrape. Ah bah, c'est peut-être ça, il a peut-être fait le ménage, lui. Avant que j'arrive. Ça doit être ça. Parce que là, c'est étrangement calme. Ah. Ah, allez, voilà. Attendez. Ouais, oui, c'est bien ce qui me semblait. Oh là là, le poulet. Mes aventures. Oui, je me suis rendu compte qu'il y avait du vide après avoir sauté. Hein. Et oui, je pensais pouvoir les rejoindre. Mais pas de cette manière. Ah merde, il a bougé. Non, il n'a pas bougé. Toi, là, viens ici.
Acolyte niveau 7. Tiens, couteau. Oh, des chevaliers. Ah, il aurait fallu que je vise un peu plus. Ah, je le comprends. Bon. Merde, mais ils se planquent. Un coup les voit, un coup ils se planquent tous. Encore le chevalier, ça va, c'est pas ceux qui se planquent le plus. Mais ils bougent. D'accord, son mur n'avait pas fini d'apparaître, mais ça l'a protégé. Pourquoi pas. Putain, cassez-vous de derrière les murs. Et merde. 1700. 300, ok. Bon, le chevalier. Non, non, avec cette arme, j'arrive pas à s'en viser. J'arrive pas à toucher les ennemis. Ah, vous me saoulez avec vos murs, là. Et la grenade n'a pas rebondi, je ne sais pas pourquoi. Oh, là, je fais nimpe. Allez! Putain. Je fais vraiment n'importe quoi. Je vais me faire tuer. Ah, il y a une sorcière. Prêtresse. D'accord, pourquoi elle lance de l'empoisonnement, je ne sais pas. Attends, j'ai pas de noyau énergétique qui pop là, c'est quoi cette histoire? Je tue les gens pour rien là? Ils sont sérieux? Ouh, la vilaine prêtresse. Couteau, ah mince. J'essaie de lancer mon couteau quand j'en ai pas. Mais pourquoi tu lances ton empoisonnement? Je suis hors de portée. Tu connais pas tes pouvoirs? Aïe, on me tire sur le côté. D'accord. Pourquoi les noyaux énergétiques ne popent pas? Il fallait que je reste à la surface. Le corps à corps, c'est peut-être pas conseillé contre les sorcières. Ça marche pas. Empoisonnement, c'est pas grave. J'ai récupéré un truc. Non, non, je récupère pas de noyau énergétique. Hein. D'accord, donc je suis en train de tuer des mecs pour rien. C'est vraiment super. Arrête de bouger. Ah putain. Le chargeur est vide, bien sûr. Je vais te faire un headshot. Oh putain. Bon, c'était pas un headshot, mais je l'ai eu quand même. Il y a un vaisseau qui se pointe et des esclaves, oh mon dieu. Là, je tue les gens pour rien, là. Comment ça se fait? Et on me tire dessus. J'essaie de regarder en haut pendant qu'il y a un esclave qui me défonce. Mais ouais, mais c'est la même map que... Oh putain, je vais crever. Pour la mission avec l'épée. Au secours, je vais crever comme une merde. Prêtresse, casse-toi. Ah non, c'est les esclaves qui m'ont tué. D'accord. Non mais je vais me barrer, je gagne rien là. Parce qu'ils nous ont pas expliqué la mission exactement. Moi, je pensais que ça marche avec tous les ennemis. Ah, j'ai pas ma grenade, merde. Je m'attraque la touche. Oh putain, je vais recrever, mais non. Et puis j'arrive pas à me mettre à couvert, là. Merci. Oh, on va sortir le sniper. Toi, là, déjà. Tu vas arrêter de nous saouler. Voilà. Ça, c'est fait. Non. Elle se planque, la vilaine. Quoi, je l'ai pas eu? Elle est sérieuse? Mais... Ah, bah quand même. Putain, mais pourquoi mes deux premiers tirs ne l'ont pas touché? Ouais, allez, vous me saoulez. Putain, puis j'ai pas progressé dans ma mission. C'est génial. C'est vraiment génial. Allez, on défonce tout. Putain, il faut que je remonte à la surface. Je crois plutôt que je vais m'arrêter là. Putain, je suis venu là exprès pour trouver des mobs. Pour gagner des noyaux énergétiques. Mais on en a pas. Oh là là. Je suis déçu, aucun esprit de cohésion. Tout le monde part de son côté. Déception, déception. Je vais me barrer. Salut. Salut. Allez.
abandonner, oui, c'est ce que j'ai dit. Se rendre en orbite, on dégage. Donc, je crois pas avoir rempli de contrat. J'ai progressé dans celui où il faut avoir 3 événements avec le palier d'or. Mais, je n'ai rien de plus. Est-ce que j'ai des trucs sur la tour? Oui, j'ai un truc sur la tour apparemment. On retourne y jeter un œil pour finir. Alors, déjà, on a des choses à faire décrypter. Interagir. Ah d'accord, on a déjà des sous-sous. Un étendard de maison. Et apparemment, je crois que c'est un fusil d'assaut, ça. Oui. Soyez prudente. Ok, on va y jeter un œil. Ouh, 91. Ouh, 111. Bon, c'est pas pour tout de suite. Bon, celui-là, on va le démanteler. On peut pas. Tac, voilà, j'équipe celui-ci. Alors, on va quand même le comparer vite fait. Alors, il y a une meilleure portée, mais ouais, ça fait moins de dégâts, et ouais. Bon, allez, on s'en débarrasse. Celui-là, on le garde, il m'intéresse énormément. Ensuite, niveau équipement, j'ai rien. Ok. Le hacheur du 44. Charmant pseudo. Revolver. Ça me fait chier de gaspiller du fric pour un revolver. Je suis pas sûr de l'utiliser des masses. Mais j'aimerais bien looter un, par contre. Si le jeu veut bien m'entendre. Ah, j'ai un contrat à rendre? J'ai pas fait gaffe. Contrat accepté. Non, d'accord. La progression des contrats, c'est dans l'inventaire, je crois. Si, j'ai bien rendu un truc, ok. Donc ça, on y est bientôt aussi. Ouh, 5000 d'expérience. Oh, ça va être bien, ça. 3 matchs à l'épreuve. Ouais. Par contre, le truc de la reine, je sais pas ce que c'est, là. J'ai pas compris tout ce que c'est, ces machins. Faveur de la reine. Alors, Draxis complote dans son repère, sur Vénus. Terrassez-le avant qu'il ne sème les graines de la révolution chez les déchus de la reine. Ah, c'est peut-être qu'il y a des missions actuellement sur Vénus qu'il n'y a pas tout le temps, en fait. Il y a peut-être des événements temporaires. Ça doit être ça, parce qu'ils le disent quand on lance le jeu. Des événements temporaires par rapport à la reine. Mais comme j'avais pas accès à Vénus jusqu'à présent, j'ai pas dû le voir. Alors, qu'est-ce que je me mets? Tuer 20 ennemis. Ça, je pense que c'est faisable. Hop. Enfin, la ruche, oui. Si, c'était faisable. Ah, bah, j'aurais dû l'accepter avant, parce que j'ai dû en tuer plusieurs, là. Bon. Il y avait un truc tout à l'heure, un marqueur. Au hangar à 80 mètres. Ouais. Je sais pas comment dit ton pseudo, Stiggs. Qui danse avec moi. Bah ouais, mais c'est trop tard. Alors pourquoi quand j'ai quitté, il y a un marqueur qui est apparu par là-bas à 80 mètres. Je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'ils font là-haut les gens encore là? C'est pas la première fois, je sais pas comment ils font pour y aller, ça m'agace. Montre-moi, espèce de petit trou de queue. Non, ça passe pas. Alors faut sauter sur une caisse. Je ne sais pas. Non, elle ressaute en arrière, elle a rien compris. Allez, ah bah voilà. En fait c'est pas bien compliqué. Oui, qu'est-ce que tu fais là-haut, toi? Je vais te désigner. Non, te désigner. Je pointe vers toi et je danse avec toi. Non, j'ai dit je danse avec toi. Non, elle veut pas danser avec lui. Pourquoi ça s'écrit pas, Sorator danse avec... D'accord, ça s'affiche plus, tout va bien. Bon, j'ai compris comment on monte là-haut. Mais j'ai pas rêvé, tout à l'heure quand j'ai quitté, il y a un marqueur qui a apparu. Bon, faudra que je remate ça, vite fait, mais... Ouais, je vais vous laisser là. Ça fait déjà plus d'une heure que je joue. Donc je vous dis, ben, merci d'avoir regardé.
et à la prochaine pour la suite. Salut!